région de l'ANMIS, devant à la haute école de commerce de Kinshasa. La troupe de la police universitaire est rangée pour vous accueillir et vous rendre les honneurs. Devant vous, le commandant de troupe, Jean-Claude Kabang. Je vous invite à passer les troupes. Arrêtez. Nous sommes heureux aussi. Et comme je parlais du grand projet, et lorsque nous serons vraiment à devoir tout faire, nous allons venir au projet municipal, nous allons demander l'audience chez vous parce que j'ai déjà de découvrir vos installations, notamment quand on va lancer le grand projet. J'ai fait tout pour que les partenaires signent, vous intègrent, vous bâtissent. Il y a des discussions, nous ne résistons trop. La souveraineté nationale soit conservée comme on a fait maintenant. Donc, je pense qu'on va y arriver. Alors, merci les amis. National, monsieur le général-major, mon général, monsieur le membre du comité de gestion de la haute école de commerce de Kinshasa, monsieur le président ou les représentants de corps constitués à la HEC, les corps scientifiques, les corps académiques et les corps du personnel administratif, technique et ouvrier, messieurs les présidents de la délégation syndicale de la Haute École de Kinshasa, messieurs les membres de la délégation du Service national de la République démocratique du Congo,
Nous vous souhaitons la bienvenue dans ces beaux cadres de la Haute École de Commerce de Kinshasa pour cette cérémonie solennelle de remise de bons par les services nationaux à la Haute École de Commerce de Kinshasa. Je m'en vais, directeur général de la Haute École de Commerce de Kinshasa. Il sera suivi du mot du commandant du service national. Il y aura la remise symbolique de bons. Et enfin, il y aura un mot de remerciement de la communauté estudiantine représentée par son coordinateur. Merci, on peut s'asseoir. Juillet 2024, cérémonie de réception des bancs, dont du Service national de la République démocratique du Congo. Monsieur le commandant du Service national, messieurs les membres du comité de gestion de la Haute École de Commerce de Kinshasa, messieurs les membres du commandement du Service national, mesdames et messieurs les membres du corps enseignant administratif de la Haute École de Commerce de Kinshasa, chères étudiantes et étudiants, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tout protocole observé, c'est avec une immense joie et une profonde gratitude que nous nous réunissons aujourd'hui pour cette cérémonie de réception des bons destinés aux étudiantes et étudiants de la Haute École de Commerce de Kinshasa. La cérémonie qui nous réunit ce jour renferme une importance toute particulière. C'est pour cette raison que je tiens à rendre mes hommages le plus déférents et à remercier le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour sa vision éclairée visant à faire de l'enseignement supérieur et universitaire un pilier central du développement de la République démocratique du Congo, par sa ferme volonté d'en redorer le réseau par diverses actions dont la présence est une meilleure illustration très éloquente. Nous lui sommes également reconnaissants pour ses efforts inlassables dans la revitalisation du service national placé sous son autorité et chargé des missions d'éducation, d'encadrement et de mobilisation des actions civiques et patriotique en vue de la reconstruction de notre pays. Notre sentiment de gratitude va également à l'endroit de la Première ministre, chef du gouvernement, son Excellence Judith Suniwa Tuluka, à qui nous exprimons notre très haute considération, qui, dans la conduite de l'exécutif national, garde une oreille attentive aux attentes des acteurs du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, piloté par son Excellence, professeur docteur Madame Marie-Thérèse Sombo Ayane Safi Mukunu. Nous voudrions, dans cet élan, exprimer nos sincères remerciements au Service national de la République démocratique du Congo, représenté ici par son éminent commandant, pour ce don précieux de bon que nous réceptionnerons dans les minutes qui suivent. Ce bon représente bien plus que de simples meubles pour nous, car le comité de gestion de la Haute École de Commerce de Kinshasa vient tout juste de réceptionner un bâtiment réhabilité avec 24 auditoires qui nécessitait précisément un équipement en bien meuble pareil. Le rôle des infrastructures, vous les connaissez, dans le processus éducatif ne peut être sous-estimé. Des salles de classe bien équipées et confortables sont essentiel pour favoriser une atmosphère
de concentration, de discipline et de réussite académique. En recevant donc ce don, nous faisons un pas de plus vers l'amélioration des conditions d'études à la Haute École de Commerce de Kinshasa. Chers étudiantes, chers étudiants, ce geste de générosité est aussi un appel à la responsabilité, à votre responsabilité. C'est une invitation à vous investir plus dans vos études, à valoriser les ressources mises à votre disposition et sagement, ingénieusement fabriquées par cette armée appelée les bâtisseurs. Je voudrais sortir des moments pour dire ce pays a besoin des bâtisseurs et non des destructeurs. C'est très important. Ainsi, cette invitation à vous investir encore plus dans vos études, à valoriser ces ressources, à viser l'excellence, l'efficience, l'émergence et surtout cultiver le sens profond du patriotisme en ce moment critique où notre pays fait face aux agressions injustes et multiples. Le soutien que nous recevons aujourd'hui doit être un catalyseur pour vos ambitions, un encouragement à poursuivre vos rêves avec détermination. Aux agents, enseignants, personnels administratifs, techniques, ouvriers de la Haute École de Commerce de Kinshasa, je vous prie de donner le meilleur de vous-même pour qu'ensemble, nous saisissions toutes les opportunités à la disposition de la Haute École de Commerce qui décolle. Tous comme un seul homme et derrière la grande vision du chef de l'État, occasion unique nous offerte dans ce pays, à l'au-delà, pour reconstruire ce pays en abandonnant toute forme d'antivaleur. Soyez-en rassurés, chaque fait et geste qui se passe ici à la Haute École de Commerce de Kinshasa est scrupuleusement considéré par les plus hautes autorités du pays. Tôt ou tard, chacun de nous récoltera ce qu'il sème. En biais, tel est mon soutien et mon souhait. Monsieur le commandant du service national, permettez-moi de réitérer notre gratitude pour ce don qui vient renforcer notre capacité à offrir une éducation de qualité. Votre geste est une preuve tangible de la collaboration fructueuse entre nos institutions et du soutien indéfectible du service national à l'égard de l'éducation en République démocratique du Congo. Nous vous réitérons nos encouragements et félicitations et j'ai pris l'Assemblée d'ovationner et de vous applaudir. ...significative et de grande qualité dans le processus de transformation transformant en des véritables bâtisseurs de notre cher et beau pays. J'invite ma communauté estudiantine à retenir cette leçon. Dans cette perspective, notre institution envisage de se rapprocher de vos services afin d'explorer d'éventuelles collaborations pour soutenir notre vaste programme d'amélioration des constructions des infrastructures au sein de la Haute École de Commerce de Kinshasa. Pour conclure, je tiens à remercier une fois de plus les services nationaux et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette initiative. Votre soutien est inestimable et restera gravé dans les annales de notre institution. Que vive la coopération entre le service national et la Haute École de Commerce de Kinshasa. Que vive la République démocratique du Congo et longue vie au président de la République, grand chancelier des universités et instituts supérieurs, commandant suprême des forces armées, de la police nationale congolaise et du service national, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous remercie. Du service national, général-major. Camarades étudiantes et étudiants, mesdames, messieurs, le cadre, agents et bâtisseurs du service national, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Il y a quelques mois, appliquant à la lettre les instructions de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême
de forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise ainsi que du service national. Nous avons entrepris la distribution gratuite de bancs aussi bien dans les écoles primaires et secondaires publiques que dans les universités et les instituts supérieurs publics de la capitale. Après l'université de Kinshasa et l'université de sciences de l'information et de la communication, ex-IFASIC, c'est aujourd'hui le tour de la haute école de commerce de Kinshasa. Les soucis du chef de l'État, commandant suprême, à travers cette distribution de bancs, et de voir les établissements d'enseignement du secteur public former la jeunesse congolaise dans les conditions permettant un bon apprentissage. Car de la bonne formation de la jeunesse dépend l'avenir du pays. Quelqu'un avait dit avec raison que le Zaïre sera demain ce que nous aurons fait aujourd'hui de sa jeunesse. Le temps d'épiloguer sur la baisse du niveau d'enseignement est dépassé. Il faut aujourd'hui que chacun joue son rôle là où il est, afin d'apporter sa pierre à la construction de l'édifice Congo. Il n'y aura pas de développement de la République démocratique du Congo qui serait l'œuvre des uns pendant que les autres se contenteraient du rôle des spectateurs. Convaincu que chaque Congolais a un rôle à jouer, le chef de l'État, commandant suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a voulu faire d'une pierre plusieurs coups, en comptant parmi ses priorités l'encadrement de la jeunesse désœuvrée. C'est ainsi que depuis 2020, le chef de l'État et commandant suprême a instruit le service national d'encadrer les jeunes appelés Kuluna au centre pilote Musée Laurent-Désiré Kabila à Kanyamakassese. Ces jeunes ont démontré qu'ils avaient besoin d'une seconde chance. Transformés, ils sont devenus des citoyens consciencieux, patriotes, nationalistes, bref, des bâtisseurs de la nation. Les bancs que nous distribuons ces jours ont été fabriqués de leurs mains dans un atelier installé en scellé dans la ville de Kinshasa. Quel symbole! Ces jeunes exclus hier du circuit scolaire participent aujourd'hui à la gratuité de l'enseignement. En plus de fabriquer deux bancs, construit des écoles et autres infrastructures d'intérêt communautaire. Au-delà des écoles, les bâtisseurs de la nation construisent une clinique moderne à Kanyamakassese et sont également engagés à la modernisation de la maternité de Kitambo, où un bâtiment de trois niveaux est en train de sortir de terre. C'est la preuve de plus que si on veut, on peut. C'est tout l'essence du serment du bâtisseur de la nation que je vous invite à réciter avec moi, car nous sommes tous des bâtisseurs, mais nous devons tous devenir des bâtisseurs. Nous vous prions de vous tenir debout. Moi, bâtisseur de la nation, formé à l'idéal du service national, pour revêtir le nouveau caractère national congolais, conscient de la nécessité et de l'urgence, de contribuer à la reconstruction à faire vers de défendre ma patrie, ses idéaux et ses intérêts supérieurs. Face à mon destin et à celui de tout le peuple congolais, je m'engage, 1. Placer Dieu au-dessus et l'idéal démocratique pour sauvegarder l'intégrité territoriale et l'unité nationale, défendre les intérêts supérieurs de la nation. Aussi exercer mes droits et libertés de citoyen. 4. Être un travailleur productif, consciencieux. La loi du moindre effort, le gain facile, l'égoïsme et toutes les pratiques négatives. 5. Être un travailleur solidaire, coopérant et collaborant avec les autres dans le respect mutuel, dans l'harmonie et dans la distribution équitable du revenu. En milieu rural, urbain,
par la prise des initiatives innovatrices, par la création des emplois. C'est promouvoir les valeurs culturelles congolaises, les traditions, les coutumes et les langues qui favorisent le développement et la compréhension. La réconciliation, les compromis et la tolérance dans les relations avec mes compatriotes et avec tous les hommes. 9. Cultiver les valeurs morales et sociales, des droits, l'alcoolisme, la débauche, etc., etc. 10. Défendre les personnes faibles et vulnérables, telles que les enfants, les femmes, les vieillards, les malades, les sans-abri, etc., etc. Ainsi dit devant Dieu et devant les hommes. Je vous remercie. Merci. Après les mots du comité de gestion, on pourra accompagner le directeur général. Nous allons aussi inviter le président des étudiants et son vice-président qui vont aussi être de la partie. Le commandant du service national remettra un échantillon au directeur général et le directeur général invitera les représentants des étudiants à s'y mettre pour afin de tester la qualité de ces dons appréciés par la communauté. Voilà, merci. Monsieur le commandant du service national, monsieur le membre du comité de gestion, mesdames et messieurs les membres du corps scientifique, académique, administratif de la Haute École de Commerce, chers camarades étudiants et étudiantes, chers invités, c'est avec immense plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui pour exprimer notre profonde gratitude envers le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour nous avoir doté de bons dont nous bénéficions désormais à travers le service national dirigé de main de maître par un digne fils de la République, je cite le général-major Jean-Pierre Kasongo
Kabouik, commandant du service national. Ce geste généreux et significatif va au-delà d'un simple don. Il symbolise l'engagement de nos dirigeants envers le bien-être et le développement de notre communauté universitaire. Réunis ici aujourd'hui, au nom de tous les étudiants de la Haute École de Commerce de Kinshasa, je tiens à exprimer notre profonde gratitude pour votre générosité et votre engagement envers notre communauté. La remise de ce lot de 500 bancs témoigne de votre soutien indéfectible à l'éducation et au développement des étudiants congolais, conformément à la vision du chef de l'État pour le sous-secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Permettez-moi de souligner l'importance de tels gestes dans la vie de notre communauté. Ils témoignent à l'attention portée à nos besoins quotidiens et renforcement de notre confiance envers les institutions qui nous gouvernent. Nous apprécions sincèrement le soutien que vous nous avez accordé et nous engageons à l'utiliser de la manière respectable afin qu'il puisse bénéficier de nombreuses générations futures. Chers camarades étudiants, je tiens à rappeler l'importance de la bonne gestion de ces ressources. Nous nous engageons à prendre soin de ce meuble et en veillant à ce qu'il soit bien entretenu et utilisé avec soin, tout en mettant en avant les valeurs de l'éducation de la Haute École de Commerce de Kinshasa. Aux autorités académiques de la Haute École de Commerce de Kinshasa, nous tenons à saluer vos efforts pour la mise en œuvre de votre programme d'amélioration et la contribution des infrastructures depuis l'avènement de votre communauté de gestion. Nos salles de cours sont équipées de rétroprojecteurs et des tableaux de projection électronique. Cet appui à mobilier vient renforcer votre vision d'offrir aux étudiants un environnement propice à des conditions d'études optimales. Profitant de cette occasion, nous allons collaborer avec le comité de gestion de notre établissement pour organiser prochainement une conférence de sensibilisation patriotique destinée à la jeunesse universitaire de la Haute École de Commerce de Kinshasa. Le commandant des services nationaux, le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabouik, sera notre principal intervenant et invité d'honneur. Du fond du cœur, tous les étudiants, premiers bénéficiaires, utilisateurs de ces bancs, veuillez recevoir l'expression de notre profonde reconnaissance et notre sincère gratitude. Que vive la Haute École de Commerce de Kinshasa, que vive les services nationaux, que vive la communauté étudiantine de la Haute École de Commerce. J'ai dit, je vous remercie.
Thank you.
côté, vous prenez les bonnes images et si vous restez de ce côté, c'est la logique. Le but, 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 le but